Alors ici, au domaine de l'étang Abricot, nous avons la chance d'avoir un environnement hautement qualitatif. Nous sommes ici sur l'extension de Fort-de-France avec une programmation très complète. Nous sommes dans une zone en pleine expansion avec toutes les administrations qui s'implantent, avec beaucoup d'entreprises qui nous rejoignent. Il y a la marine à tout près et qui nous offre beaucoup de perspectives, beaucoup d'opportunités. Le cadre est très sympa. Moi-même, je vis sur place et très franchement, c'est très agréable. Le fait d'être à l'entrée, à la porte de la ville, nous ne sommes pas du tout excentrés. On est en centre-ville sans trop l'être. Et du coup, ben, c'est quand même hyper agréable, d'autant plus qu'on a une super vue sur la marina. J'ai décidé de venir dans ce quartier parce que je cherchais un endroit sur Fort-de-France où je pourrais être bien, sans embouteillage, sans trop de pollution, et être proche de mon activité professionnelle. Alors c'est vrai que ça a été une volonté au départ de l'édilité foyalaise, d'avoir une mixité aussi bien en termes de programmation, du logement, du commerce, des bureaux, et d'avoir en fait toutes les composantes d'une petite ville. Là on est déjà trois résidences avec des ostéopathes, des kinés, des pharmacies, des boulangeries. Et ça en Martinique c'est assez rare quand même, on peut faire beaucoup de choses à pied. Les entreprises notamment, ainsi que les administrations d'ailleurs, ont beaucoup de chances de développement, beaucoup de perspectives. Parce que bah, déjà, sur le plan administratif, c'est une zone franche. Donc du coup, moi je relève le défi. L'étang Abricot, c'est véritablement un quartier d'avenir. C'est l'emplacement de premier choix.